Hey, bonjour à tous et bienvenue sur Feed the Patrick 4, yeah, man. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné du fait que, je n'ai pu tourner par la même occasion, c'est surtout parce que j'ai des travaux dans ma maison, dans mon appart plutôt. J'ai refait ma chambre, donc sur ce point il n'y a aucun souci. J'ai fait un épisode 2, sauf que il y a eu un bug au niveau de des fichiers de rendu. Du coup, il n'y a pas d'épisode numéro 2. Du coup, je fais celui-là. Donc, je pensais que c'était le 3, mais en fait, c'est le 2. Donc, ce n'est pas très grave. Putain, il y a des fleurs partout. J'ai déjà scanné un peu tout ou pas? Bon, j'ai tout scanné. Alors, dans l'épisode 2, alors vous verrez pourquoi je bolle après. Dans l'épisode 2, j'avais commencé, donc je vous mettrai quelques petits extraits des vidéos si je peux. J'ai gardé les fichiers quand même, hein, pour au moins histoire d'équilibrer un peu tout ça. J'ai commencé Big Reactor, donc le fameux mode où vous avez besoin d'un réacteur de petite taille ou jusqu'à très grande taille. La très grande est de 50 par 50 sur 75 de haut, je crois. 74, je ne sais plus. Donc c'est quelque chose d'assez big. Donc sur ce point, il n'y a aucun souci. Alors, d'autres... également, par ailleurs... Alors ça, j'ai scanné. J'attends que le mode des abeilles soit à jour. Mais pour l'instant, j'ai fait tourner ça en boucle du fait que c'était chunkloadé. Donc ça me servira pour plus tard. Je compte pas forcément refaire tout de suite les abeilles tant que le fichier n'est pas à jour. S'il est à jour, je vous ferai... un petit peu tout ce qui est là-dessus, donc les tutos pour bien commencer et autres. Donc, sur ce point, il n'y a aucun souci. Par la même occasion, du fait qu'on a fait, on avait terminé sur Thermal Expansion, j'ai continué sur Big Reactor du coup. Alors, Big Reactor. Alors, comment faire Big Reactor, c'est en fait assez coûteux, notamment au niveau du style. Oui, je prends pas de dégâts de chute, pourquoi? Bah alors, j'ai fait Tomcraft et Vegan, évidemment. Mais j'ai mes petites ailes, mes Angel Rings, qui me permettent, avec une Nether Star et des lingots instables, de pouvoir justement voler et de pas prendre de dégâts de chute. C'est assez cher, surtout quand vous commencez, mais qu'est-ce que c'est bien. Et vous couplez ça avec un Delta Plane et vous verrez la vitesse, ça va très vite. Donc, Big Reactor. Ce que j'ai fait, c'était un 3x3 sur 4 de haut. C'est ce qui était très peu. Maintenant, il c'est du 5x5 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par 8. Donc, pour l'instant, au niveau du fuel, j'ai que ça. J'ai mis que ça. Pourtant, ça fait environ un demi-stack de fuel. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Par la bonne raison, simple et bonne raison, c'est qu'il faut que je le refroidisse ce réacteur parce que il va produire du steam et grâce au steam, donc grâce à la chaleur et au steam, ça va me produire de l'énergie dans la turbine à côté. Mais pour qu'il me produise ça et qu'il refroidisse, il lui faut un élément, on va dire chimique entre parenthèses, hein, qui me permet justement de. Oh, ça c'est cool. Ça permet de l'incrémenter. Alt et Shift. C'est le noyau qu'on va mettre. Ça me permet d'incrémenter la. De réduire plutôt sa température une fois qu'il sera en route. Alors là pour l'instant il est plus actif puisque j'ai pété les réacteurs de glace. J'ai fait la turbine donc c'est la plus grosse qu'on puisse faire. Donc c'est du. Alors ce que vous entendez battement là, c'est Tomcraft. Donc vous voyez sur le côté, j'ai la vue qui se dérouille en couille. C'est normal. Donc au sol j'ai mis de la lave parce qu'il peut y avoir des mobs qui peuvent spawner dans la turbine. What the fuck. Donc ça il n'y a pas de souci. Sinon après bah c'est des blades. Hein. Donc c'est assez coûteux. Hein. Donc c'est du cyanique. J'ai dû faire tourner pour ça l'aliorite avec le petit big reactor de base. Crème de la biolorite là. Bah là il va pas me le faire mais ça me crée de la cyanite, donc ceci.
Grâce à ça, il tournait, ça fait de la cyanide. Des cyanides, il m'en faut deux comme ça pour faire une plutonium qui permet de réalimenter le réacteur en continu. Donc ça, c'est pour ça que j'ai fait ce petit système-là. Ici, il va y avoir l'alimentation électrique. Donc il y aura un tesseract, ce genre de choses. Je m'équipe des transfert nodes. Là-dedans, pour l'instant, j'ai mis un seul mineur. Je pourrais limite en mettre deux d'ailleurs. Donc ça sera pour plus tard. Ça me permet d'injecter de l'eau dans le réacteur. Donc ici, bon pour l'instant il n'est pas actif parce que j'ai pété là-haut. Par la même occasion, j'ai mis des items transfer pipe, des items transfer node, item. Ça me permet justement de, quand il va créer de la cyanite, donc à partir de la diorite, elle sera exportée ici dans le recompresseur, qui va me sortir du plutonium ici, et ensuite réinjecter directement dans le réacteur. Donc en soi, je n'aurais plus besoin de le réalimenter constamment. Alors, il y a deux façons de le réalimenter. Soit vous avez le système à plat, et du coup il faut faire un long câble qui fait de tout là-haut jusqu'en bas. Sauf que, Applied Energy Stick, il coûte assez cher maintenant, voire très cher. Donc, par cette même occasion-là, je ne compte pas continuer Applied. Je vais revenir sur d'anciens modes qu'on m'a fait découvrir. Ce qui est comment? Ce qui est Logistic Pipe. Voilà. Ce mode-là est quand même bien, il est quand même assez coûteux, mais au moins il est très pratique. Je peux enlever ça, moi, parce que ça me gêne. Surtout quand il y a du gravel en dessous. Voilà. Voilà, maintenant j'ai tout ça, je peux tout virer. C'est parfait, magnifique. Alors, réacteur, j'ai besoin de tout ça. Une fois que j'ai fait ce réacteur, il me faut des liquides, cette fois-ci transfert node, un qui exporte et un qui importe. Alors pourquoi exporter? Parce que j'exporte de la vapeur, puisque lui il va produire de la chaleur et avec l'eau ça fait de la vapeur. Du coup, c'est exporté là-dedans, ça va dans la turbine, ça la fait tourner. Bien sûr, pour l'instant, la turbine est HS parce que je lui ai pas mis par exemple ceci. Alors, hop, je vais le refermer, hop, voilà. Vous voyez ici, j'ai du steam, j'ai de l'eau qui est ressortie et j'ai de l'énergie qui est en stockage. Bien sûr, plus la vitesse de la rotation est grande, plus elle va tourner vite. C'est ce qui est tout à fait normal. Pour l'instant, je la mets pas du fait que j'ai besoin d'Enderium Block pour les mettre là. Parce que l'Enderium Block, ça a un très très bon ratio. Ça coûte cher, mais disons que c'est incassable. Plutôt intéressant si vous voulez faire du big reactor tranquillement. Une fois que ça tourne, il y aura des tesseracts avec des comment? Des trucs de thermal. Là, je ne sais plus c'est quoi le nom. Thermal expansion. Tu me charges le truc? Oui, non, oui, t'en fous. Allô? Allô? Thermal expansion, YOLO. T'es complètement out? Allô? Je sais pas pourquoi il m'affiche rien. Ah là, il avait complètement bugué, lui. Thermal expansion, oui, non. T'en fous, tu bugs. T'es con. Connard, salaud, pute, non? Bon, tu me fais chier en fait. Bon bah. Alors quand on fait une recherche dans NEI, j'ai j'ai NEI qui bug à plein pot. Je fais plus que 2 frames seconde, c'est assez chiant. Alors que vous êtes en solo, il n'y a aucun souci. Énergie. Voilà. Même pour faire des recherches, c'est très lent. Bon, enfin bref, voilà, c'est des résonantes énergie cell que j'aurai besoin, puisque grâce à ça va me stocker 50 millions d'énergie. Donc 50 millions d'RF. Donc ça va être vite rempli. Voilà.
Par la même occasion, parce que j'en ai marre de bâiller, je vais faire. Alors, déjà en plus, ce qui est dans Tomcraft, je me suis avancé assez loin. C'est celui-là. J'ai réussi à faire un petit peu tout en fait. Tout ce qui est dans la première branche, je l'ai fini. Dans celle-là, il me reste encore quelques baguettes à faire et des focus. Donc après ça va, il me faudra celle-ci que je dois la faire, mais il me faut la grosse table. En alchimie, j'ai tout fait. Bah non, il me manque celle-là et celle-là. Il m'en manque, ok. Ici, il me manque quelques recherches à faire, plus ça à accomplir. Au niveau des gommes aussi, ça à faire, et puis ça également. Voilà, en clair, j'ai quasiment plus rien à... Comment? À faire, plus ou moins. Mais après, je ferai tout le reste avec BX, hein, parce que c'est un peu plus long que je pense. Voilà. Du coup, moi, je vais faire mes Enderium blocks, hein, parce que comme ça va pas vous... Comment vous tuer? Oh, quoi que je pourrais les faire avec vous. Ça vous occupe en même temps, tiens. Je mets ça. L'osmo ici. Le tin. Le graphite, on s'en fout. Chip, machin. Ça, je vais garder. Ainsi que ça. Les rubber bars, je verrai plus tard. Hop, les steaks, je garde. Cobble, gravier. Ah, très bien. Papier ici. Seau avec, j'en aurais besoin. Là, bah, mécanisme, hein, donc c'est du solar panel au-dessus, hein, ça m'a suffi largement pour l'instant. Maintenant, pour faire de l'Enderium Block, parce que lui, il remarche par contre. On dirait pas, c'est pas très grave. Enfin bref. Renette énergie. Oh. Ah, ça permet de transférer l'énergie directement. Oh, c'est sympa. Ah, il m'a affiché thermal. Oh, ben non. T'en as mis du temps, mon petit. C'est pas très grave. Mais... Alors, Thermal Expansion. Du coup, on a besoin, alors, notamment de Tesseract. Le tesseract, ça viendra plus tard puisque j'ai besoin de d'obsidienne. L'obsidienne, ça ne court pas les rues non plus. Quoique, ça court quand même pas mal. Je vais le faire pulvériser parce que j'en ai absolument besoin. Ça, je prends. Hop, et hop. Voilà. Les steaks ici, ça c'est parfait. Donc du coup, bah, lui il est en train de... Alors j'ai besoin d'obsidienne, pourquoi? L'obsidienne, grâce à ceci, me permet d'obtenir... Oh! Me permet justement d'obtenir... Alors, pas de la... pas de tout ça. Ok, et sinon... Sinon, là-dedans, tu me dis fuck, va te faire foutre ou quoi? Parce que c'est bien beau, mais... Obsidienne... Bon voilà, de l'obsidienne et du lead, et grâce à ceci me permet d'obtenir de l'ardennais de glace. Grâce à cet ardennais de glace, nous permet justement de pouvoir faire quelque chose déjà. Les restos d'énergie self-frame qui vous remplissez de restos, d'électrum, et ensuite vous pouvez passer à l'ultimate truc. Ou faire des Tesseract Frame, donc c'est du diamant Enderium. L'Enderium se fait grâce à des Enderium Blades qui se fait avec du tin. Ah, silver ou... Ah, ok, ça a changé. D'accord, maintenant c'est silver tin et shiny metal, ou platinum. Là, ça viendra plus du shiny metal. Et un seau complet. Alors, du coup, on va faire ça, on va prendre ceci, on va prendre cela, il me faut de l'obsidienne là, il me faut du lead. J'espère qu'on bloque ça va directement, parce que j'ai pas envie de me faire chier. On va voir ça tout de suite. Eh ben non, ça marche pas, il faut que je le fasse pulvériser, connard. Bon, c'est pas très grave, hein. Je vais devoir faire avec. Pas grave du tout.
Voilà, 42. Normalement, ça doit fonctionner. Du coup, 4 lits. Hop. Voilà. Là, ça fonctionne très bien. Donc, ça va me faire tranquillement ce qu'il faut. Pouf. Ça me fait de l'ardennée de glace. Ce qui est tout à fait acceptable. Donc, ça m'en fait plusieurs. Ensuite, je vais faire grâce à des seaux. Et ici, je vais remplir des seaux d'Underium. Tuc, la résonante. Je vais voir si j'ai du shiny metal. J'en ai 3, c'est parfait. Et si j'en ai pas besoin, il me faut du silver. Du silver, du tin. Donc le tin il se refera exactement comme l'autre. Hop, lead. Que j'en remets par-dessus encore. Je crois qu'il va manquer 2 obsidiennes. Ouais, c'est ça. Va m'en manquer 2. Donc, hop. Petit à petit. Donc ça, c'est du lead. Je pense que je vais en avoir assez. Voilà, ça va m'en faire petit à petit. 1. Ah oui, il m'en manque pas 2 en fait, il m'en manque plus. C'est juste un reste. Ok, c'est pas très grave. Donc le lead, c'est bon, j'en ai plus besoin. Une fois que le lead est fait, il me faut du tin. Je pense que c'était du lead que j'avais mis avant. Du silver, et maintenant du tin. Bon, il m'en faut pas beaucoup du tin d'ailleurs. 16 et 16, 32. Hop, parfait. Ici, il m'en faut que 16. Puisque bah j'ai besoin que seulement 16, hein, c'est dans la recette en fait. Donc 11. Ah. 13. Ah. 14. C'est bien, je sais compter. 15. 16. Ah. Voilà. Alors ceci étant fait, hop, voilà c'est parfait. J'attends que le tin se fasse également. Parce que j'en ai besoin dans ma recette. Donc, silver ici, un seau également là, et qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Je m'en rappelle toujours rien. Hop, hop, alors, tin, silver. Tin, silver. Ouais, voilà, ça me fait les 32, donc les 32 qui vont aller là-haut. Donc ça, c'est très bien. En même temps, moi je me prépare justement pour le live de ce soir, du fait qu'on va faire l'end. Donc nous, ça va être très simple, ceux des clics, parce que on a les ailes qui permettent de voler en fait. Donc ça va être très simple. 8. Alors maintenant, ici, il me faut le shiny metal. Alors, shiny metal, je vais voir si mes collègues ont ce qu'il faut également, parce que ça m'arrangerait. Que je pourrais créer de l'énergie pour toute la base entière, notamment c'est pour ça que je le fais aussi, c'est au niveau pour alimenter toute la base. Alors hop, on va aller ici, on va aller dans Applied. Oui, c'est la nouvelle interface d'Applied. Oh la vache. Ah oui, ils vont tranquillement là-dedans, eux. 58 têtes de Wither, oui, c'est tout à fait normal. Et peut-être, ça c'est ok. Chercher quoi déjà? En même temps, je récupère mes charmes. Qu'est-ce que je cherchais? Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que je cherchais? Je sais que je cherchais quelque chose de sympa. De sympa. Donc j'ai besoin en fait. Ah, ils ont fait de l'Underium. Ah, Shiny, voilà. Et pas de Shiny. Underium. Ouais, mais je vais pas leur piquer l'Underium là. Ça serait un peu idiot quoi. Comment on obtient. Le shiny. Ouais. Oui, bah oui, ça je m'en doute un peu. En faisant du Furious. Ah, c'est vrai.
C'est vrai qu'il y a le Furious. Et le Furious, j'en ai un paquet. Alors, est-ce qu'ils en ont aussi? Furious, ouais. Ils en ont un petit paquet, mais pas ceux que je pense. Donc, niet. Tant pis. Hop. Bon, bah, du coup, on va aller faire le nôtre. Le shiny. Le... comment? Notre minerai à nous. Puisqu'on a besoin d'avoir 10% de chance de pouvoir faire du shiny. Ça m'arrange en fait. En fait, j'ai même pas. J'ai pas de shiny? Oh. Oh merde. Ah, j'ai pas de shiny. Sérieux? Bah ouais, sérieux. Oh merde. Je pensais que j'avais du shiny. Bon bah tant pis. J'irai en faire plus tard. Hop. On va en faire un autre. Hop. C'est bien, il y a des petites... comment des petits sons maintenant. Dans le truc là. Alors maintenant, pour le transformer en lingot, il nous faut du pyrotorium. Sulfur et Stone Cold Blaze. Sulfur et Stone Cold Blaze. Sulfur et Stone Cold Blaze. Hé hé hé. Sulfur. Sulfur. Sulfur Cold Redstone Blaze. Sulfur. Coal. Est-ce que j'ai du coal ici? J'ai du charcoal, mais ça va pas fonctionner. 1, 2. Bah, on va le faire comme ça. Hein. Hop. Hop. Alors, ça doit faire n'importe quel sens. Je crois que ça nous crée de la. Ouais, pyrotorium. Voilà, et ensuite il nous faut là-dedans. Tac et tac. Ça va, je sais bien chanter. C'est tellement cher en fait. Son deck. Ouais, je sais que ça coûte cher. Alors, maintenant que nous avons ceci. Bah déjà j'ai pas assez pour faire les blocs en question. Donc du coup on va faire comment? On va faire un petit côté Tesseract, hein, voyez. Non, peut-être pas faire les Tesseract maintenant. Quoique en fait il me faudrait que 4 pour augmenter celui-là au fond. Ouais, c'est cool, je peux utiliser ça. Et parfait, voilà. Donc ça monte, hein. Voilà. C'est du 10 000 par 10 000, hein. Donc lui, il est très content parce que c'est du 10 000 que je sors. Il y a 12 connexions actuellement. Donc c'est plutôt sympa. Ok. Ensuite, Enderium. Ah c'est vrai qu'il y a ça aussi, ça fait 512 sauts quand même, waouh. C'est quand même cool les 512 sauts. Cependant, il faut bien que je fasse un jour un Tesseract. Sauf que, bah voilà, pour l'instant c'est des renforcés et il faudrait que je passe au-dessus. Du coup je crée ma pompe, ouais mais il me faut un Tesseract, donc dans les tous les sens du terme, il me faut... Un
Tesseract. Voilà. On va te faire péter. Ah, ensuite, je mets ça là-dedans. Donc, c'est en train de se faire. Ça, je vais le ranger parce que j'en ai trop. Voilà. Hop. Du coup, ça c'est bon. Maintenant, pour que ça soit actif en tant que Tesseract, il me faut. Oh la vache, du bronze et du silver. Copper, copper, team. Ouais. Copper, copper. Copper. Tin. Tin et du silver. Ça va m'en créer combien ça? 4. Parfait. Ensuite, 1, 2. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Tesseract. YOLO. Oh, énergie. Alors, trop du XP, énergie. Énergie. Ah, d'accord, énergie. D'accord. C'est. Oui, c'est vrai que c'est pas con, en fait. Du coup. Énergie. Énergie 69. Lol. Lol. Allez, bonne la blague. Du coup, j'ai plus besoin de ça. Nous, je pense qu'on va se laisser là. Du fait que bah, je pensais bien faire aujourd'hui, mais ça n'a pas marché correctement comme je voulais. Du coup, bah, les Underion blocks, je les ferai en arrière-plan, hein, naturellement. Et puis également, je tournerai dans la prochaine vidéo l'ensemble de cette turbine, parce que j'ai pris quand même pas mal de retard, et vous l'attendiez sans doute peut-être. Voilà, donc, sur ce, merci de m'avoir suivi. Hein. N'oubliez pas toujours le petit pouce vert à chaque vidéo. Ouais, il y a de l'énergie qui sort, c'est parfait. C'est tout à fait parfait, c'est cool. Et puis, vous dis à la prochaine. Allez, c'était Épée et on se dit bye bye, ciao tout le monde.